بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، أحييكم بتحيات الإسلام، تحيات من عند الله مباركة، تحيات أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, je voudrais remercier l'association Entraide. Donc, je m'excuse, je ne peux pas citer tous les participants de l'association Entraide, mais je peux parler de Jemila parce que je la connais un peu mieux ces derniers mois. Donc, je la remercie de son invitation et je la félicite pour tout ce qu'elle fait avec son association. Et je demande à Allah qu'il la bénisse, elle, ainsi que son association, son mari Alouche, ses enfants et toute sa famille. Dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, n'a pas remercié Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Et donc, dans notre communauté, aujourd'hui, on a souvent tendance à montrer ce qui ne va pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, et notamment ceux qui ont pensé à organiser ça aujourd'hui, ceux qui se sont levés tôt pour installer les chaises de manière bénévole, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sous le feu des projecteurs, mais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Et donc, j'ai une pensée pour eux, et je les en remercie, et voilà, mes pensées et mes doigts les accompagnent. Hier, j'ai eu l'occasion de faire un petit voyage, et je suis parti à Montluçon, donc c'est en Auvergne. Et donc j'ai été invité par une petite mosquée de campagne pour faire une intervention, une petite conférence qui a duré à peu près 2 heures. Et subhanallah, je suis revenu à Paris, et là aujourd'hui ce que je vois devant moi, je vois un contraste. Quand j'étais là-bas, la première des choses que les gens m'ont dit, ils m'ont félicité, ils m'ont témoigné de leur amour. J'ai senti en fait que j'avais l'impression que mes paroles, elles étaient littéralement absorbées et qu'avec la mosquée, on allait s'envoler dans les airs, tellement il y avait une bonne ambiance et il y avait de la quiétude. Et souvent à Paris, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. D'ailleurs, même nous, hein, les Parisiens, quand on va prêcher en campagne, on se dit « Ah là, je vais voir les campagnards, etc. » Mais d'un autre côté, eux, ils ont quelque chose que nous, on a perdu. Nous, aujourd'hui, on est blasés, on est devenus des consommateurs de conférences, des consommateurs de réunions, il y a des tas d'associations qui se créent partout, etc. Et ce que j'ai ressenti hier, ça m'a amené à cette réflexion que je souhaite partager avec vous, c'est que là-bas, hier, subhanallah, j'ai fait une petite conférence et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle a eu, non pas parce que c'est moi qui ai parlé ou parce que mes paroles étaient magnifiques, mais les gens qui étaient en face de moi étaient assoiffés. Et les gens qui étaient en face de moi, ils ne me connaissaient pas. Mais ils avaient envie d'entendre parler d'Allah et d'entendre parler du Coran. Ils avaient ça dans leur cœur. Et donc même si parfois je peux dire des choses maladroites, etc., ils se sont comportés d'une manière qui fait que peu importe ce que j'allais leur dire, ils allaient réussir à faire la part des choses et à aller chercher le miel qu'il y avait dans mes paroles. Ce qui leur a permis d'apaiser leur cœur. Et d'ailleurs, c'est une dua que Allah nous enseigne dans Surat Zumar, Allahumma ja'alna, et je la fais aujourd'hui pour nous tous, Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Ou Allah, fait de nous des gens qui, lorsqu'ils écoutent les paroles, ils en prennent ce qu'il y a de meilleur. Et ce sont ceux-là les doués d'intelligence et ce sont ceux-là les bien guidés. Donc voilà les premières paroles que je voudrais vous partager avec vous. Je ne suis pas en train de vous faire des remontrances, mais j'ai simplement envie de vous amener à avoir cette réflexion. Et notamment, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter beaucoup ce qu'a dit le Oustad Rachid Haddash, mais je vais citer une parole qu'il a citée à un moment donné quand il parlait des relations de couple. Et il parlait qu'il a demandé à ses élèves de leur expliquer qui ils étaient, etc. Et qu'en fait, finalement, on ne se connaît pas. Et à un moment donné, il a dit qu'il était très important de savoir qui on était, qui nous sommes, qui suis-je. Eh bien, par exemple, si une personne elle a entendu cette parole avec son cœur, avec sa raison, qu'elle a pris cette parole, qu'elle l'a rentrée dans son cœur et qu'elle essaie de la traduire par des actes, wallahi, cette parole, elle peut changer sa vie.
Wallahi, cette parole, elle peut changer sa vie. Tout à l'heure, c'est pareil, j'étais tout à l'heure là-bas, et j'ai entendu Ami Hassan, Hafidahullah, dire que nous, en fait, on n'avait pas peur de la mort, ou on avait oublié la mort, parce qu'on avait tout fait pour embellir notre vie ici-bas. C'est pareil, celui qui écoute cette parole-là, qui la prend, qui la met dans son cœur, qui la médite, et qui la traduit par des actes, cette parole-là, elle peut changer sa vie. Donc, dites-vous bien une chose, c'est qu'en réalité, nous sommes nous-mêmes notre propre source de bonheur ou notre propre source de malheur. Et vous ici aujourd'hui qui allez m'écouter, peut-être que ma conférence sera de qualité médiocre, mais s'il y a une personne qui m'écoute avec sincérité, peut-être une de mes paroles que Allah va m'inspirer, va la prendre dans son cœur et ça peut changer sa vie. Non pas parce que je suis exceptionnel, je ne suis rien du tout, mais parce que lui, il se sera assis ici, il aura branché son cerveau, branché ses oreilles, branché son cœur et il est prêt à aspirer tout ce qui va sortir de ma bouche. En faisant le tri, bien évidemment. D'autant plus que le sujet dont on va parler aujourd'hui, à la recherche du bonheur, c'est un sujet magnifique, c'est un sujet grandiose. Le bonheur, tous les êtres humains sur Terre recherchent le bonheur. Combien de personnes en recherchant le bonheur ne le trouvent pas? Combien de personnes en recherchant le bonheur s'égarent? Combien de personnes en cherchant le bonheur pensent l'avoir trouvé et finissent dans la perdition et l'égarement le plus total? Donc cette question de recherche du bonheur et de quête du bonheur, c'est une question universelle que tous les êtres humains se posent. Et c'est une chose que Allah a inscrite dans notre fitra, dans notre pureté originelle. Allah, lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous des caractéristiques, des besoins physiologiques, spirituels, toutes sortes de choses qu'on appelle al-fitra, la nature originelle. Allah, par exemple, il nous a créés, il nous a prédisposés à croire en un Dieu unique. Mais par l'éducation, le contexte, l'environnement, cette pureté originelle, elle est pervertie. Mais nous, tous les êtres humains sur Terre recherchent le bonheur. Là où les êtres humains sont différents, c'est dans le chemin qu'ils empruntent pour rechercher le bonheur. Et je vous propose tout de suite de s'attarder sur deux chemins qui sont empruntés par la majeure partie des êtres humains. Et ces chemins qu'ils empruntent, ils espèrent trouver le bonheur. Et nous allons les étudier pour voir, les étudier de manière succincte et rapide, de voir est-ce que le bonheur est dans ces chemins-là ou pas. Le premier chemin, c'est un chemin qu'on pourrait résumer par une équation. Le bonheur égale la jouissance. Le bonheur égale la jouissance. Donc la personne qui a avec elle ce théorème ou cette équation, le chemin qu'elle emprunte pour rechercher le bonheur, c'est d'assouvir tous ses désirs et de suivre ses passions. Et elle pense que plus elle va être en jouissance et plus elle atteindra le bonheur. Alors la question que je vous pose, et j'espère que vous allez me répondre, Inch'Allah, est-ce que ce chemin amène au bonheur? Donc je vois plein de visages qui me font comme ça, non? Pourquoi ce chemin n'amène pas au bonheur? C'est bien quand on dit non, c'est bien, mais après, si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, il faut essayer de dire, avoir des arguments pour l'argumenter. Là, par exemple, on aurait affaire à un non-musulman, on va dire, ah non, ça ramène pas le bonheur. Pourquoi? Ah non, c'est tout. Hein? Pas très longtemps, j'ai fait un voyage, j'étais au Cameroun, et au Cameroun, c'est un pays, machallah, où il y a une multitude d'ethnies, il y a des chrétiens, des musulmans, et j'ai assisté à une discussion, et une dame à l'hôtel, une chrétienne, elle était très gentille, qu'Allah la guide cette dame tellement elle était gentille, mashallah. On a discuté avec elle et à un moment donné, elle nous a dit, vous savez, je vous aime beaucoup. Elle nous disait à nous, notre groupe, c'est peut-être pas que à moi. Et elle nous a dit, je vous aime beaucoup les musulmans, mais il y a une chose que j'ai à vous reprocher. Donc, je l'ai écoutée. Elle a dit, quand vous parlez, vous êtes toujours persuadé que vous avez, vous seul, la vérité absolue. Et un des frères qui était là, il lui a dit c'est normal, parce que Allah dans le Coran, il a dit la religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et il pensait la convaincre comme ça. Tu lui as dit, elle, c'est une chrétienne. Toi, tu as pour référence le Coran. Elle, le Coran, ce n'est pas sa référence. Est-ce que tu penses que tu vas la convaincre avec ce genre d'argument? Est-ce qu'on va convaincre quelqu'un avec ce genre d'argument? Non, la seule. Et Allah, il a dit من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui choisit une autre religion que l'islam,
et elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Mais subhanallah, est-ce que tu penses que cette personne-là, tu vas la convaincre avec ça? Donc c'est très important, il ne faut jamais oublier qu'on est tous des ambassadeurs de l'islam, et donc quand on parle à quelqu'un, si on n'a pas des arguments, le mieux, c'est de se taire. Donc, ce chemin qui consiste à dire que le bonheur égale la jouissance, ce n'est pas une voie qui mène au bonheur. Pourquoi? Parce que la jouissance, par définition, elle est, comme on dit en arabe, zaïla, fania, elle est éphémère. La jouissance ne dure pas. Donc la personne qui recherche la jouissance pour être heureuse, eh bien à chaque fois qu'elle est dans la jouissance, comme ça ne dure pas, elle retombe. Et quand elle retombe, elle est malheureuse. Et elle recherche à remonter. Et elle est comme ça en dents de scie. Ensuite, elle se lasse de sa jouissance. Et elle recherche à aller encore plus loin, toujours plus loin, toujours plus fort. Et c'est pour ça, excusez-moi, « Inna Allah la yastahi min al-haq » Allah, il n'a pas honte de la vérité. C'est pour ça qu'on peut trouver des gens, par exemple, qui ont laissé libre cours au fait d'assouvir leur désir sexuel, et après, leur seule manière de jouir, c'est d'amener quelqu'un et lui dire « fouette-moi » ou « urine-moi dessus », etc. Parce qu'il n'arrive plus à jouir. « Wallah al-musta'an, wallah ahfadna jami'an » On pourrait exprimer ça avec une autre image. C'est comme celui, il a besoin de sensations, et puis il fait du saut à l'élastique du haut d'un bâtiment de 50 étages, et puis une fois que ça ne fait plus le kiffer, il ne lui reste plus qu'à faire du saut à l'élastique sans l'élastique. Mais ça va mal se finir. Donc ce chemin-là de la jouissance, ce n'est pas un chemin qui garantit le paradis, parce que la jouissance, elle est éphémère. La deuxième des choses, comme elle est éphémère, la personne, elle devient l'esclave de l'assouvissement de ses désirs, l'esclave du suivi de ses passions. Comme le drogué, il est prêt à tout faire pour rechercher sa drogue. Il devient l'esclave de lui-même. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans un verset, méditez ce verset. « Ara'aita man ittakhada ilahahu hawa » As-tu vu celui qui a fait de sa passion sa divinité? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et on pourrait ajouter encore une autre chose, c'est que les jouissances, elles ne sont pas toutes licites. Pourquoi? Parce qu'il y a des jouissances qui sont mauvaises pour la santé. La drogue, le cannabis, qui est un fléau qui a ruiné une bonne partie de la jeunesse musulmane. Qu'Allah nous en préserve et préserve nos enfants et qui guide et sorte nos jeunes et d'ailleurs tous les gens qui sont plongés dans cette misère et ce malheur. Le cannabis, celui qui fume quand il fume, au moment où il est en train de planer là, il est comme ça. Il est bien. Mais ça, à la longue, ça le détruit. Ça détruit les neurones de son cerveau. Ça en fait un légume, une locumène. Moi, dans ma mosquée, j'ai reçu souvent des frères qui ont passé 10, 15, 20 ans de leur vie dans le cannabis. Parlez avec ces gens-là, vous vous faire pleurer. Moi, je connaissais un frère, il m'a dit, j'étais arrivé jusqu'à fumer 15 joints par jour, ça ne me faisait plus rien. Le matin, je me réveillais, la première chose que je faisais, je fumais un joint. Et il m'a dit, j'en étais arrivé, j'avais plus de souvenirs, je me rappelais plus de mon enfance, plus de ce que j'avais vécu avec mes frères, mes sœurs, mes parents, rien du tout. Et il m'a dit, le jour où j'ai arrêté de fumer, au bout d'un an, il m'a dit, j'ai commencé à avoir des flashs, je me suis rappelé de souvenirs que j'avais avec mes frères, quand j'ai rigolé, quand on est parti au bled, etc. Et il a commencé à tisser des liens de nouveau avec sa famille, tout ça, parce qu'il s'était complètement fermé, complètement, il vivait dans une bulle, c'était complètement isolé. C'est un malheur. Donc la jouissance, si cette jouissance-là est nocive pour la santé, alors Allah l'a interdit en islam. Donc celui qui met son bonheur dans l'assouvissement ou dans la recherche de la jouissance à tout prix, on est d'accord ou pas? Est-ce qu'il sera heureux? Si c'est que ça, non. L'islam étant une religion de juste milieu, le prophète ﷺ nous dit, dans un hadith, il était avec ses compagnons. Donc imaginez le prophète, l'envoyé d'Allah. Il est avec ses compagnons, les meilleurs des créatures après les prophètes. Il leur dit « Wa fi bud'i ahadikum sadaqa »« Qalu ya Rasulallah »« Ya'ni ta'ajab »« Qalu ya Rasulallah »« Ayati ahaduna shahwatahu »« Wa yakunu lahu fiha ajar »« Qal ara'aytum law wada'aha fil haram »« Akana alayhi fiha wizr » ولذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه فيها أجر. الله أكبر. Le prophète, il est avec ses compagnons, il leur dit, il y a
dans l'acte sexuel que vous accomplissez avec vos épouses une sadaqa, une aumône. Et les compagnons, ils étaient en face de lui, ils ont été interloqués, choqués, surpris. Ils ont dit, comment ça, prophète ? Oh, envoyé d'Allah ! Est-ce qu'une personne, elle va assouvir son désir sexuel et elle va être récompensée pour cela ? Et le prophète de répondre, si, que dites-vous ? Que diriez-vous ? S'il l'avait assouvi dans l'illicite, c'est-à-dire il aurait assouvi son désir sexuel hors cadre du mariage, dans la fornication, n'aurait-il pas mérité une punition ? Oui. Les compagnons ont dit oui. Eh bien donc, s'il assouvit son désir sexuel dans le cadre du mariage, il sera récompensé. Et donc ici, on voit que l'islam, par rapport au plaisir, eh bien c'est une religion de juste milieu. Elle nous permet le plaisir tant que celui-ci est positif pour l'être humain, tant du point de vue social, culturel, social, sociétal, tout ce que vous voulez. Mais dès que le plaisir est nocif, l'islam l'interdit. Donc l'islam, ce n'est pas une religion qui est anti-plaisir, mais c'est une religion de juste milieu. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait l'équation « le bonheur égale la jouissance », d'autres y sont venus, ils ont fait une autre équation. Ils ont dit « le problème de l'être humain et des péchés, c'est la jouissance, on va enlever toute jouissance ». Ils ne se marient pas, ils vivent comme des ermites, hein, ils jeûnent toute la journée, etc., etc. Le monachisme. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il dit dans un verset, ce monachisme qu'ils inventèrent, nous ne leur avons point prescrit. On ne leur a pas dit de faire ça. C'est un excès. Donc vous voyez, un excès. Celui qui veut jouir tout le temps, même si c'est nocif pour lui, il pense qu'il va être heureux. Et celui qui renie la jouissance, c'est l'islam, c'est une religion de juste milieu. Tu as le droit à la jouissance tant qu'elle t'est profitable et halal. Mais la jouissance toute seule, ce n'est pas suffisant pour atteindre le bonheur. Donc ça, c'est le premier chemin. Il y a un autre chemin qui est emprunté par les gens pour atteindre le bonheur. À votre avis, quel autre chemin on pourrait citer ? Il suffit juste de regarder autour de vous. Enfin, pas autour de vous ici, hein, parce qu'il y en a, il parle de moi. Quoi. Non, dans la société. Dans la société, je ne vise personne. Je vous aime tous, Allah. Vous êtes tous super. Hein ? Un chemin qui n'est pas un bon chemin, mais que beaucoup de personnes empruntent en pensant qu'ils vont avoir le bonheur suprême. L'accumulation de l'argent, des richesses matérielles. Plus j'ai d'argent, plus je serai heureux. Et quand tu dis l'argent ne fait pas le bonheur, oui, mais il y contribue fortement. Le flous, dollar, dinar, dirham. On est à une époque quand même où beaucoup de gens, ils ont donné leur vie pour l'argent, l'accumulation des richesses matérielles. Hein ? Je construis une maison au bled, mon voisin il a fait un deuxième étage, troisième étage. Mercedes. Hop, j'ai une maison en ville, je vais en faire une au bled à la campagne. Hop, ah, je vais faire un magasin aussi, tiens, je vais faire une piscine. Et puis après, regardez nos parents, je vois beaucoup de maghrébins dans la salle. Et après, Meskine, il va tout seul au bled, il me dit, mes enfants, il n'y en a aucun qui veut aller au Maroc. Et il vit tout seul dans une maison de 3 étages. Il a bâti sa vie pour construire des choses sur lesquelles il ne va jamais en profiter, subhanallah. Mais pourquoi, subhanallah ? Parce qu'on a mis notre bonheur dans l'argent. On a dit, voilà, hop, je vais travailler, je vais épargner la retraite, et quand je vais... Déjà, qui t'a dit que tu allais vivre ? Demain, tu peux mourir, subhanallah. Donc la question est, et je vous la pose, et... Comme vous êtes timide, faites-moi comme ça si vous voulez oui ou faites-moi comme ça si vous voulez non. Est-ce que chercher l'argent, est-ce que l'argent est synonyme de bonheur ? Alors, oui ou comme ça ? Ou alors, vous pouvez faire en diagonale si vous êtes... Comment alors ? Yonéné, elle a fait comme ça quand même. Alors, on est tous d'accord, non ? Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un torticolis, non ? Eh bien, sachez... que la réponse, eh bien, c'est tout le contraire. Car le prophète, il nous a donné une réponse. Une réponse qui est, on dit en arabe, qat'i, qui est tranchée. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, c'est pas moi, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui part en étant inspiré par Allah, il dit, ta'isa abdud dinar. Écoutez bien, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dinar. L'adorateur du dinar sera toujours malheureux. L'adorateur du dinar sera toujours malheureux, l'adorateur du dinar sera toujours malheureux. Prenez cette parole et rentrez-la là, mettez-lui un cadenas, une porte et la laissez pas partir. L'adorateur du dinar sera toujours malheureux. Pourquoi ?
peut l'expliquer de tas de façons, mais on va l'expliquer d'une manière. Comme on est en France et on est tous des bons franchouillards, eh bien, on va l'expliquer avec un dicton populaire qui dit « Avec l'argent, tu peux acheter un lit, un beau lit, mérinos, mérinos, le matin des réveils en beauté, et tu montes sur ton plafond partout, etc. » Comme dans la pub. Mais tu peux acheter un matelas, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Et combien de gens aujourd'hui sont en France, on est le pays où on consomme le plus de psychotropes? Hop, il est obligé de prendre de la drogue. Et même ça, après, ça ne lui fait plus de l'effet. Il me dit, j'ai tout fait, j'ai fait de l'acupuncture, truc, j'ai un CD, il y a du vent pendant une heure. Je n'arrive pas à dormir. J'avais essayé celui avec le ruisseau, là, mais le ruisseau, ça commence à m'énerver. J'ai mis le vent et j'arrive pas à dormir. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait ceci, je sniffe du miel, j'arrive rien, il n'arrive à rien faire. Parce qu'il... Tilleul mort, il a toutes les tisanes chez lui, il n'arrive pas à dormir. Avec de l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Avec l'argent, tu peux acheter par exemple des produits de beauté, tu peux aller chez l'esthéticienne, tu peux aller au Point Soleil, tu peux aller chez Yves Rocher, Sephora et compagnie, toute la clique, et sortir avec 150 euros de produits de beauté, mais tu peux acheter des produits de beauté, mais tu ne peux pas acheter la beauté. Embellis-toi intérieurement et Allah, il embellira ton visage. Et te mettra une lumière. Et te ramènera quelqu'un qui te trouvera belle. Wallahi. Te ramènera quelqu'un qui te trouvera belle. Et quand il va te regarder, il va être ébloui. Il va être ébloui, pardon, par ta beauté. Il y a un savant qui disait, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est un compagnon du prophète, il disait, « Wa inna li sayyi'ati » Il y a dans la désobéissance à Allah, ou les péchés, un obscurcissement du visage. Alors qu'il nous dit, alors qu'il y a dans l'obéissance une lumière sur le visage. Donc le dicton populaire, on continue, il nous dit, tu peux acheter des livres avec de l'argent ou ton entrée dans des écoles supérieures, grandes écoles de commerce ou Sciences Po, je ne sais quoi, ou polyclinique. Mais si t'es bête, t'es bête. Si t'es bête, t'es bête. Tu peux faire tous les diplômes que tu veux, etc. T'es bête, t'es bête. Avec de l'argent, tu peux acheter des gens qui travaillent pour toi et qui vont te courber les chines. Mais l'amour des gens et le respect des gens, ça, tu peux pas l'acheter. Et on pourrait continuer comme ça. Donc en fait, celui qui a mis son bonheur dans l'argent, en fait, il est en train de penser qu'il peut tout acheter avec l'argent. Mais en fait, avec l'argent, tu peux acheter plein de choses. Mais il y a plein de choses qui sont plus importantes que tu ne pourras pas acheter. Et c'est pour ça que tu seras malheureux. Dans un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, et je vous invite à être très attentif et attentive, parce que regardez, le prophète, dans ce hadith-là, il est simple. Il a divisé les gens en deux catégories. Posez-vous la question dans quelle catégorie vous êtes. Posez-la vous à vous-même. Parce que souvent, le piège de Shaitan, quand on entend une parole, on dit « Ah ouais, il a raison. » Et tout de suite, Shaitan, il vous ramène quelqu'un. « Ah ouais, mon voisin, il est comme ça. » On s'en fout de ton voisin. Réfléchis-toi. Comment tu es toi? Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, « Man kanat ad-dunya hammahu, ja'ala Allahu, man kanat ad-dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu bayna aynay, wa faraqa alayhi shamla, ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة الله أكبر. Prophète nous dit, عليه الصلاة والسلام, celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, alors Allah mettra la pauvreté devant ses yeux. Plus il en aura, plus il en voudra. Plus il en aura, plus il ressentira du manque. C'est pas le grand malheur, ça? C'est pas le grand malheur? Plus t'en as et plus il t'en faut. T'en as jamais assez, t'es jamais rassasié. Donc celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah mettra la pauvreté devant ses yeux, il va toujours penser qu'il lui manque. وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Il va... on peut pas traduire cette phrase-là, mais ce qu'on peut comprendre de وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ, ça veut dire que... Et c'est comme ça qu'ils sont les gens de Dunia. Il va être en dispute avec tout le monde. Son voisin, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses cousins, nanani, nanana, etc. Des problèmes dans le travail, des problèmes dans le business. Pourquoi? Parce que comme lui,
Il a mis tout, sa réussite et son bonheur dans le dunya. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le dunya, il lève son épée, il est prêt à tout, tout, couper la tête à tout le monde pour ça. Et donc quand tu es comme ça, tu ne peux pas trouver une stabilité dans ta vie d'ici-bas avec les gens, et dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations, etc. etc. Wa faraqa ali shamla. Il va être dans la déstabilisation, il va être dispersé, etc. Ben c'est ça. Wa faraqa ali shamla. Il y a tout dans notre religion. Lisez les hadiths du prophète, méditez-les et regardez la réalité et vous verrez que le prophète ne parlait pas sous l'effet de la passion. Et en plus, donc celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, il aura la pauvreté devant ses yeux, il sera dans l'instabilité, la dispersion, la division, les problèmes, etc. ici-bas. Et de toute façon, au final, il n'aura ni plus ni moins comme richesse que ce que Allah lui avait destiné. C'est-à-dire que tu cours, mais au final, tu n'as ni plus ni moins que ce qu'Allah t'avait destiné comme richesse. Allah, il t'a destiné déjà une richesse avant même que tu viennes au monde. Il t'a simplement laissé le choix de savoir est-ce que tu vas prendre une route halal ou une route haram pour aller le chercher. Et très souvent, les gens qui sont dans le dunya, ils sont prêts à prendre la route du haram pour aller le chercher. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, celui qui a pour préoccupation principale la vie dans l'au-delà. La préoccupation principale, ça ne veut pas dire qu'il ne se préoccupe pas de sa vie d'ici-bas, il n'y a pas d'antagonisme. Mais sa préoccupation principale, c'est l'au-delà. Il travaille pour ici, il est actif, etc. Mais sa préoccupation principale, c'est là-haut. Parce qu'ici, il sait qu'il ne va pas y rester. Eh bien, celui-là, Allah mettra la richesse dans son cœur. Il le mettra dans un état de stabilité. Peut-être il sera juste, voilà, il vendra des fleurs au marché, ou des tomates, ou de la menthe, ou ce que vous voulez. Mais ce qu'il va tirer comme argent de ça, ça va lui suffire. Il va être bien dans sa famille, bien dans sa religion. Il va aider sa communauté, etc. Lui, il est pas grand-chose, mais il en est content, il en est satisfait. Et ce bas monde viendra à lui contraint et forcé. C'est-à-dire que même s'il ne court pas après les richesses, que Allah lui a écrit comme richesse, ça va lui venir. Voilà deux situations, deux groupes. Celui qui a pour préoccupation principale la vie dans l'au-delà et celui qui a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas. Donc la question, c'est pareil, j'attends les réponses. Est-ce que celui qui a mis son bonheur dans l'argent, il va être heureux? Non. Il y a une jeune fille qui fait « Non, va doucement, tu vas te faire un torticolis. » Et la réponse, c'est plutôt qu'en réalité, il ne sera pas heureux, il sera malheureux. « Ta Issa Abdoudina. » Si seulement on pouvait entendre ça, et l'entendre, et le faire descendre jusqu'ici, « Ta Issa Abdoudina. » L'adorateur du dinar sera toujours malheureux. La question qui nous importe maintenant, parce que le temps passe, est la suivante. Qu'est-ce que le bonheur? Et où allons-nous le trouver? Ma hiya sa'ada, qu'est-ce que le bonheur? As-sa'ada laysat shay'an maddiyan. Le bonheur, ce n'est pas une chose matérielle. Wa la yumkinu shira'uha, et il n'est pas possible de l'acheter. Wa hiya ni'matun min Allah. C'est un bienfait d'Allah. Qui a créé le bonheur? Qui a créé l'être humain? Allah Azza wa Jal. Donc le bonheur, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Hiya ni'matun min Allah yu'tiha man yasha. Le bonheur est entre les mains d'Allah et il le donne à qui il veut. Le bonheur est entre les mains d'Allah, c'est un bienfait divin et il le donne à qui il veut. Qala Allah Ta'ala fi tanzil al-aziz. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Écoutez ce verset qui est dans sourate, c'est pas le fruit du hasard. Sourate les abeilles. Les abeilles, elles font le miel. Cette sourate là, parmi les finalités de cette sourate, lisez-la même en français, et cette sourate là, elle est là pour nous enseigner la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. Et notamment les abeilles, ils font un nectar qui s'appelle le miel qui est magnifique. Et parmi les bienfaits du miel, c'est que c'est un cicatrisant, un antidépresseur, etc. etc. Le miel, donc dans la sourate les abeilles, Allah nous dit, quiconque, homme ou femme, fait une bonne action, al-amal as-salih, tout en étant croyant, donc les bonnes œuvres et la foi qui vont ensemble, nous lui ferons vivre une bonne vie.
et ça c'est la vie d'ici-bas. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous le récompenserons dans l'au-delà en fonction des meilleures actions qu'ils accomplissaient sur terre. Donc, le bonheur, il se trouve où ? Il se trouve dans la foi et dans la mise en pratique concrète, avec des actes concrets de cette foi. Et c'est là que se trouve le bonheur. C'est là que se trouve la bonne vie. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. C'est une affirmation. Allah, il a affirmé, il a assuré que celui qui, à la fois qui pratique les bonnes œuvres, nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc si tu as la foi et tu pratiques les bonnes œuvres et tu n'es pas heureux, le problème, il n'est pas dans l'affirmation divine, le problème est dans ta foi et ta manière d'œuvrer. Pour être clair. Parce que très souvent, les gens, ils viennent nous voir, mais je ne comprends pas, je prie, je fais des doigts, et un truc, et je ne me sens pas bien, et je... Tu pries, tu fais des deux, ah, tu lis le Coran, qu'est-ce que tu veux que je te fasse de plus, moi ? T'es pas heureux avec ça, tu crois que moi je vais venir, je vais te faire, et ça y est, tu vas guérir, et tu me donnes 50 euros parce que je me suis mis un turban sur la tête, et tu vas aller mieux. Non, c'est parce que ta manière de prier, ta manière de lire le Coran, ta relation avec Allah, elle est médiocre, tout simplement. N'oubliez pas, nous sommes nous-mêmes les sources de notre propre bonheur ou de notre propre malheur. Il faut arrêter de vivre par procuration, et je suis pas bien, et je vais voir l'imam le vendredi. Voilà, alors je fais des rêves bizarres, je vois des monstres. Hein, et on dirait qu'il a vu Dragon Ball Z la nuit en rêve. Et je sais pas quoi. Et puis il pense que, voilà, Lila, voilà, il veut que je lui fasse... Et allez, 10 euros, il part, il va boire et tout va changer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui vous disent ça, Allah, ils vous mentent. Il faut vous responsabiliser. Il faut devenir acteur de sa propre vie. Et arrêter de se plaindre. On a tout en face de nous pour être heureux. C'est simplement, on l'a délaissé. La foi, c'est accessible à tout le monde et les bonnes œuvres, elles sont multiples. Les bonnes œuvres sont multiples. Il y a plein d'œuvres qui peuvent te permettre de goûter une douceur dans ton cœur et d'apaiser ton cœur. Le prophète nous dit par exemple, regardez, si tu veux voir ton cœur s'attendrir, donne à manger aux pauvres et caresse la tête de l'orphelin. Khalas, c'est difficile de caresser la tête de l'orphelin ? C'est difficile de donner à manger aux pauvres ? Eh bien voilà, ton cœur, il va s'apaiser. Khalas. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il nous dit et nous fait la promesse que par la foi et les bonnes œuvres, on va avoir une bonne vie. On s'arrête 2 minutes et on va s'interroger, qu'est-ce que nos savants, al-mufassirun, c'est-à-dire les exégètes, ceux qui ont expliqué le Coran, ils disent sur « فَلَنُحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا » Nous lui ferons vivre une bonne vie. Qu'est-ce que c'est la bonne vie ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites merveilleuses, qui sont toutes complémentaires les unes avec les autres. Mais on peut les résumer en 2 mots. Le premier mot, c'est « al-qana'a », la suffisance. Ça veut dire que tu te contentes de ce que tu as. Je donne souvent cet exemple. Imaginez un exemple. Je vais citer un prénom des gens de mon bled, Ibihi. Ibihi, c'est un petit berbère dans les montagnes avec son âne, hein, avec sa petite torbouche là. Et sa femme, elle lui a fait un petit pain avec une assiette d'huile d'olive et un petit kouis d'yalatay. Elle lui dit, Ibihi, viens manger. Il vient, Ibihi, dit bismillah, il mange son morceau de pain, il boit son verre, il dit, alhamdoulilah, il est rassasié, il va dormir, il est content. Et d'un autre côté, on a le prince Moulay, je ne sais pas quoi, etc. Lui, il a tous les plats possibles, inimaginables devant lui, faits par les meilleurs cuisiniers du monde. Il mange ça trop salé, trop chaud, trop froid, etc. Il s'énerve, mais ce n'est pas possible. Il jette ça, il s'en va, il n'est pas content. Vous préférez être dans quelle situation ? Celui qui se contente de ce qu'il a, il est content ? Ou celui, plus il en a, il n'est jamais content ? Il est insatiable, jamais satisfait. Vous préférez quoi ? Il est où le vrai bonheur ? Est-ce que le bonheur, il est dans posséder beaucoup de choses ? Ou le bonheur, il est dans « je suis content de ce que j'ai » ? Al-qana'a kanzu la yafna. Al-qana'a, cette suffisance, c'est un trésor intarissable. Celui qui est satisfait de ce qu'il a, ça y est, là, vous n'avez pas à avoir peur pour lui. Il sera heureux ici-bas. Donc ça, c'est le premier mot. La bonne vie, al-qana'a. Le deuxième mot, c'est complémentaire, c'est as-sakina. As-sakina, c'est l'apaisement du cœur. La personne, elle est apaisée. Et aujourd'hui, combien de musulmans on voit ? Et nous-mêmes dans les mosquées, on voit des gens qui prient, ça fait des années, etc. Et quand ils parlent, ils viennent vous relater leurs problèmes, vous apercevez que ça fait des années qu'ils prient, il n'est pas apaisé, il n'est pas tranquille. Subhanallah. Il y a un problème quelque part. Il faut vraiment qu'on se remette en cause dans notre foi, dans notre attachement à la religion. Qu'est-ce que ça produit chez nous ?
Si on est constamment en train de se plaindre, constamment ça va pas, constamment en train de pleurnicher, il y a un problème. Il faut se remettre en question. Et donc, ici, dans ce verset, je vous le rappelle, quiconque, homme ou femme, fait une bonne action tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons dans l'au-delà en fonction des meilleures actions qu'ils accomplissaient sur terre. Ici, il y a un élément important à comprendre, c'est qu'en islam, le bonheur, ici-bas, ne peut se trouver dans le cœur d'une personne que si cette personne pense à l'au-delà et pense à la mort. Celui qui vit et il a complètement occulté cette vérité universelle qu'est la mort, et il vit comme s'il allait jamais mourir, il vit comme s'il allait vivre éternellement ici, celui-là, il ne pourra pas goûter au bonheur. Parce que inconsciemment, il sait qu'il y a cette mort-là, ça le déstabilisera, ça ne lui permettra pas d'avoir une quiétude et une tranquillité. Donc le vrai bonheur ne se goûte, yudrik en arabe, ne s'obtient, ne s'acquiert que lorsque dans notre vie on a réservé une part pour la mort dont il vous a parlé tout à l'heure, Ammi Hassan, hafidahullah. Donc le bonheur, ici-bas, c'est cette suffisance, se contenter de ce que j'ai. Se contenter de ce que j'ai, ça ne veut pas dire ne pas chercher à avoir plus. Tu peux chercher à avoir plus, si tu es pauvre, tu peux chercher à améliorer ta condition. Mais en tout cas, ce que tu as, ça te contente. En même temps, tu cherches à avoir plus, mais ce que tu as, ça te contente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la tranquillité du cœur. Et on a dit que le bonheur ne peut se goûter que lorsque réellement je suis en train d'épargner pour ma vie après ma mort. La deuxième des choses, et on va aller chercher un hadith du prophète, alayhi salam, qui est magnifique, qui est grandiose. Il nous dit, alayhi salam, عَجَبَ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Le prophète nous dit, je suis étonné de l'affaire du croyant. Donc le prophète, il est étonné. Qu'est-ce qui étonne le prophète alayhi salat wa salam? Et j'espère que dans votre fort intérieur, vous avez tous dit oui, c'est vrai, qu'est-ce qui étonne le prophète alayhi salat wa salam? Eh bien, ce qui l'étonne le prophète, c'est que tout ce qui arrive au croyant est un bien. Je suis étonné de l'affaire d'un croyant, car tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché par la grâce divine, il remercie Allah, et cela est meilleur pour lui. Et s'il est touché par une difficulté, il patiente, et cela est meilleur pour lui. Et ce privilège n'est donné à personne, si ce n'est à un croyant. Allahu Akbar. Ce qui peut nous permettre de dire, pour donner une définition du bonheur de manière très succincte et très résumée, j'ai conscience du fait que ce que je vous présente est très synthétique. Le bonheur, ici-bas, ça s'acquiert par la foi et les bonnes œuvres. Deuxièmement, le bonheur, en fait, on ne peut goûter au bonheur que si on se prépare pour la mort. Et la troisième des choses que vient nous enseigner ce hadith, le bonheur, c'est pas de mener une vie dans laquelle on ne va pas être éprouvé, dans lequel on ne va pas être touché par des difficultés, dans laquelle on n'aura pas des obstacles à surmonter. Non, tout le monde a sa part de difficultés, d'épreuves, de douleurs, de souffrances, d'obstacles à surmonter. Tout le monde a ça. Mais le vrai bonheur, c'est d'avoir la force spirituelle donnée par Allah, par la foi en Allah, pour surmonter tout ça et relativiser. C'est ça le bonheur. Toute personne qui cherche le bonheur en pensant qu'il va avoir beaucoup d'argent et qu'il va vivre dans une tour d'ivoire pour être et qu'il va, Inch'Allah, il sera préservé du besoin, des propres, c'est faux. Tout le monde est touché par le malheur et la difficulté. Et le bonheur, c'est justement d'avoir la force pour surmonter ces difficultés, ces épreuves, car on en a tous. Donc la question qu'on pourrait se poser maintenant pour faire un ancrage positif et ramener des éléments scientifique ou rationnel ou ce que vous voulez, pourquoi l'islam va nous apporter le bonheur? C'est une question qui vous intéresse, qu'on développe? Oui ou non? Donc pourquoi l'islam va nous apporter le bonheur?
La première des choses, le mot islam lui-même. Le mot islam, qu'est-ce que ça signifie islam ? La soumission, c'est tout ? Faut te soumettre. Soumets-toi, khlas. Imaginez, un non-musulman, il vous écoute. L'islam va nous apporter le bonheur. Qu'est-ce que ça signifie l'islam ? Soumission. Avec les bien les, la soumission. Ah, c'est vraiment synonyme de bonheur, ça. Signifie quoi l'islam aussi ? La paix. Ah, là déjà, on est plus dans le bonheur. Donc effectivement, l'islam, ça signifie la soumission, et ça signifie aussi la paix. Mais quand on dit la soumission, en réalité, il faudrait qu'on soit plus précis. Voilà, la soumission du cœur. Al-khudu' al-qalbi. La soumission du cœur. Et toutes les autres soumissions, la soumission de ma raison et la soumission de mon corps, a pour origine la soumission de mon cœur. Donc l'islam, c'est la soumission, certes, mais si on veut être plus précis et plus profond, il ne faut jamais oublier que c'est la soumission du cœur en premier lieu. Et tout le reste va découler de la soumission du cœur. Alors certes, pour soumettre mon cœur, j'ai besoin de faire marcher ma raison, voire même mon corps, de ressentir, observer l'univers, faire marcher mes sens, de manière intellectuelle, faire une recherche pour savoir qui est Allah, qu'est-ce que l'islam. Mais toutes ces connaissances, je dois les amener à mon cœur pour soumettre mon cœur. Et le prophète nous dit dans un hadith, « Ala inna fil jasadi mudratan idha salahat » صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le morceau dans le corps un morceau de chair que si il est pur, tout le reste du corps est pur. Et s'il est impur, tout le reste du corps est impur et c'est le cœur. Donc la soumission, bien, je dois soumettre ma raison, mon corps, tout ce que vous voulez. Mes ressentis, mais la principale des soumissions est la soumission fondamentale, la soumission que je dois mettre comme point de départ, c'est la soumission de mon cœur. Mes ressentis doivent être conformes à la foi en Allah Azzawajal, une personne qui a la foi unique en Dieu. C'est fondamental de revenir à ça. Et regardez, quand on a dit tout à l'heure l'islam, on a dit soumission et paix. Eh bien la paix, c'est où que tu vas la sentir ? Tu vas être là, avoir la paix dans ta raison ? Non, tu vas avoir la paix dans ton cœur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui viendront à Allah Azzawajal avec un cœur en paix, un cœur saint. Donc, l'islam, pourquoi c'est une religion qui va nous amener le bonheur ? Parce que l'islam, elle a considéré l'être humain dans sa globalité. L'homme, c'est un corps, c'est une raison, mais c'est aussi une âme. C'est aussi une âme, c'est aussi un cœur. Et cette société aujourd'hui dans laquelle nous vivons, elle fait de l'homme un être simplement fait de chair, avec des désirs, qu'il faut tout le temps exciter dans la publicité. L'islam, pourquoi c'est une religion qui va nous amener au bonheur ? Parce que c'est une religion qui considère l'être humain comme étant avant tout une âme, mais qui ne met pas d'opposition entre l'âme, le corps et l'esprit. L'islam, c'est une religion qui cherche l'équilibre, l'harmonie, la cohabitation entre l'âme, le corps, l'esprit et la raison. Et d'ailleurs, il y a un poète arabe qui nous dit, pour nous faire prendre conscience de l'importance de notre dimension intérieure, de notre image intérieure, on est tous focalisés sur l'image extérieure, et on a oublié. Vous savez, le prophète, ce qu'il disait, quand il se regardait dans la glace, il disait, « Oh Allah, comme tu as embelli mon apparence extérieure, embellis mon apparence intérieure. » Et nous, ce qu'on traduit par le comportement, en vérité, ce n'est pas le comportement. C'est la beauté intérieure. En islam, la notion de comportement, al-khuluq, en fait, ça s'appelle la beauté intérieure. C'est beaucoup plus profond que le comportement. C'est tes valeurs, tes caractéristiques, ton caractère, ton éthique. Et ce poète arabe nous dit, « Ya khadim al-jismi, kam tas'a li khidmatihi, ata'abta nafsaka bima fil khusran, aqbil ala nafs, wustakmil fada'ilaha, fa innaka anta bi nafsi, la bi jismi insan. » Oh, toi qui te préoccupes de ton apparence extérieure, que d'efforts fais-tu pour une chose qui est vouée à la perdition ? Mais préoccupe-toi plutôt de ton âme et essaye de parfaire ses qualités, car c'est avant tout par l'âme et non par le corps que tu es en vie, que tu es un humain. Donc il faut prendre conscience de ces choses-là, et l'islam justement nous amène à trouver cet équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, et elle nous cherche à acquérir la paix. Un autre point qui peut nous permettre de comprendre pourquoi l'islam, c'est une religion qui va nous amener au bonheur, c'est qu'en fait l'islam,
Eh bien, il y a plusieurs pôles. Parmi les pôles de l'islam, il y a ce qu'on appelle al-janib al-aqadi, tout ce qui touche au dogme, à la croyance, à la foi. Et en fait, notre foi musulmane, c'est quoi la foi musulmane? C'est de croire en un Dieu unique et de lui réserver l'adoration. D'accord? De lui réserver le culte, l'adoration, al-ibad. Dans l'adoration, il y a adorer. Comme les gens aujourd'hui, ils adorent les stars, eh bien nous, en fait, nous, on adore Allah et c'est le seul qu'on adore. Dans l'adoration, il y a la notion d'amour. Oui ou non? Dans l'adoration, il y a la notion d'amour. Notre adoration vis-à-vis d'Allah, elle est basée sur l'amour. Et comment on va réussir à ressentir cet amour pour Allah qui nous fait tant défaut aujourd'hui? Le jour où on va chercher à connaître Allah. Et d'ailleurs, dans le célèbre verset où Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ibn Abbas, qu'on a appelé le commentateur du Coran, il dit qu'il m'adore, c'est qu'ils me connaissent. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils me connaissent. Parce que si on connaît Allah, vous savez ce qu'on va voir? On va voir la beauté d'Allah. Parce que Allah, il est beau. « إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ » Allah, il est sage. Allah, il est doux. Allah, il est miséricordieux. Allah, malgré le fait qu'il soit puissant, il est quand même doux et il est juste. Ce n'est pas un tyran. Donc celui qui va connaître Allah, il va voir la beauté d'Allah et l'homme, par définition, aime ce qui est beau. Et donc lorsqu'on va connaître Allah et qu'on va percevoir la beauté d'Allah, la beauté de sa religion, eh bien, petit à petit, cela va faire naître dans notre cœur l'amour pour Allah, Azza wa Jal. Et donc regardez, la aqida, en vérité, si on allait vers la aqida, avec cette approche, ce qu'on appelle al-manhaj al-tarbawi, avec l'approche de s'éduquer à ressentir la grandeur d'Allah et à s'éduquer à connaître Allah pour l'aimer et se rendre point à quel compte il est beau, eh bien, celui qui vit dans la beauté et l'amour, il est heureux ou il est malheureux celui-là? Celui qui vit dans la beauté et l'amour, il est heureux ou il n'est pas heureux? Vous êtes bloqué au coin? Oui ou non? Bien sûr qu'il va être heureux. Et nous, le drame aujourd'hui, c'est quand on va dans notre religion, on va dans notre religion, et dans notre religion, on en a fait un carcan d'obligations religieuses, interdictions. Certes, tout ça, ça fait partie de l'islam, mais notre rapport à la religion, il est comme ça. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? La gélatine, le truc, le machin, halal haram, halal haram. Dans le Coran, il y a un verset sur 12 qui parle de la science du halal, du haram. Ça fait 8%. Tout le reste, ça parle de quoi? Subhanallah. Celui qui voit sa religion que... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut extirper ça de l'islam, ça fait partie de l'islam. Et le halal est halal, et le haram est le haram, il ne faut pas aller dedans, si on est d'accord. Mais celui qui voit sa religion que par ça, mais il est passé à côté de quelque chose de monstrueux. Pour lui, et ce rapport à la religion qui est basé sur l'amour, la beauté, il va passer à côté. C'est clair que sa religion, pour lui, ce sera un carcan. Et nous, le problème, c'est qu'on ne recherche pas la beauté et l'amour à travers la religion, on cherche la beauté et l'amour à travers la société de consommation. Et très souvent, une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit « Ma femme, j'en ai ras-le-bol, on se dispute souvent, et dès qu'elle se dispute, on se réconcilie, pour qu'elle aille mieux, il faut qu'on change l'intérieur. » Il m'a dit « En 4 ans, j'ai compté, ça fait 5 fois qu'on change la décoration intérieure, la décoration d'intérieur. » Elle m'a dit « C'est psychologique. » Mais change la décoration, pas de l'intérieur de ta maison, ton intérieur à toi. À l'époque du prophète, ils vivaient dans le désert, ils étaient dans le sable. Ils avaient une vie de bédouin dans le désert. Le prophète, il n'avait rien dans sa maison. Il dormait à même le sol. Il avait juste une espèce de latte. Et quand il dormait, on voyait les traces sur lui. Et pourtant, je peux vous garantir que c'était le plus heureux des hommes. Parce qu'il était avec Allah, Azza wa Jal. Donc vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que nous, la beauté, on recherche la beauté dans la médiocrité de la société de consommation. Wallah, et on vit dans la médiocrité. On vit dans la laideur. Mais nous-mêmes, en fait, on s'est fait avoir, c'est une illusion, on s'est fait avoir par la société de consommation. Et on ne recherche plus la beauté dans l'islam, on recherche la beauté dans le matériel. Ah, mon petit hijab, là, tiens, j'ai trouvé une nouvelle mode, le truc bleu. Alors maintenant, il y a la mode. Avant, il n'y avait qu'un hijab, maintenant, il y a la mode. Blanc, bleu, trois, il y a celle qui fait trois, celle qui les fait se croiser comme ça, etc. Celle qui a mis des petites paillettes. Les frères, c'est pareil, il y a le khamis, avant, il était comme ça, mais il y a 12 000 sortes de khamis. On est à fond là-dedans. Subhanallah, posez-vous la question. Je ne suis pas en train de dire, c'est normal qu'on soit influencé par ça, mais j'aimerais que vous vous interrogiez. Et bien sûr, moi, le premier, je m'interroge, qu'on s'interroge sur tout ça.
Et de se rendre compte que la beauté et l'amour, on va la trouver dans la religion. Je pense qu'il faut que je m'arrête, c'est ça? Non, le question-réponse. Question-réponse, Inch'Allah. D'accord. Question, ça va? Oui. Alhamdulillah, moi aussi, ça va.